bonsoir à tous, c'est Monsieur Buggy, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui parce qu'on va parler de Daredevil. Daredevil est un personnage de chez Marvel Comics. Il est apparu pour la première fois dans un comics en 1964, dans le comics du même nom. Il avait alors été créé par Stan Lee et Bill Everett. Pour ses origines, eh bien les voici. Matthew Michael Murdock est un homme tout ce qu'il y a de plus banal. Il est avocat de profession et, étant plus jeune, Matt perd sa mère à l'âge de 6 ans. C'est donc son père seul qui l'élève. Dernier le pousse à faire de longues études, mais devient dès lors le souffre-douleur des enfants de la ville. Un jour, Matt est victime d'un accident. Voulant sauver un aveugle sur le point de se faire écraser, il se fait asperger de produits toxiques venant du camion qui allait écraser l'aveugle. Le produit alla dans les yeux du jeune homme. Il se réveilla donc plus tard à l'hôpital, découvrant que lui aussi avait perdu la vue. Matt perdut donc la vue, mais ses autres sens se développèrent à un niveau surhumain. Et, pour remplacer sa vue, il obtenut un sens radar identique à celui des chauves-souris, pouvant l'aider à le situer dans l'espace, et pour l'aider à détecter des objets grâce à des ondes. Plus tard, après l'assassinat de son père, il fit la promesse de protéger cette ville, tout en gardant son identité secrète. Il se crée alors une nouvelle identité pour combattre le crime. Celle de Daredevil. Mais malheureusement, notre héros ne contrôle pas encore ses nouvelles capacités et fait plus tard la rencontre de Stick, un maître en arts martiaux aveugle lui aussi. Après un entraînement rude et long avec Stick, Matt devient enfin le super-héros qu'il voulait être. Il devient Daredevil. Hell's Kitchen a enfin son propre héros, son gardien. Bien comme la plupart des super-héros, Matt a une double identité. Il continue sa vie d'avocat. Plus tard dans l'histoire, notre jeune nouveau super-héros eut un grand amour pour une femme connue sous le nom d'Electra. Tout se passa pour le mieux jusqu'au jour où le père de cette dernière fut pris en otage et fut assassiné accidentellement par les forces de l'ordre. La jeune femme prit alors Matt pour seul et unique responsable. Electra partit alors pour venger son père et devint une chasseuse de primes au plus grand malheur de Daredevil. Plus tard, pour des raisons plus ou moins professionnelles, Matt reverra Electra. Pour ce qui est du costume de Daredevil, peu de changements sont notables, si ce n'est la couleur qui change, passant du jaune au rouge. Pour ce qui est des pouvoirs et des capacités de Daredevil, elles sont les suivantes. Daredevil a un sens radar semblable à celui des chauves-souris, pouvant l'aider à se situer dans l'espace et aussi à situer des objets. Tous les organes sensoriels de Murdock sont développés à un niveau surhumain, l'aidant dans toutes sortes de situations. Lors d'un interrogatoire, par exemple, il peut voir si quelqu'un ment, car il peut entendre le rythme des battements du cœur de la personne en face de lui. Bien qu'il n'ait pas de pouvoir à proprement parler, Daredevil est un maître en arts martiaux. Daredevil possède aussi une arme qu'il cache en la faisant passer pour une canne d'aveugle. Si vous voulez retrouver Daredevil, vous pourrez le voir dans la série du même nom, mais aussi dans des comics tels que Daredevil par Frank Miller, ou encore Daredevil Phaser par Joe Quesada. Mais si vous voulez reprendre le train en marche avec des dessins plus beaux tout en comprenant l'histoire du personnage, alors lisez Daredevil All New Marvel Now. Et voilà, c'est tout pour Daredevil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Monsieur Buggy pour vous servir.